Aujourd'hui, je veux concevoir avec vous une application CIS Pro qui lit les données d'une autre application. De ce fait, nous commençons avec la première application. La première application, je la nomme Job. Job. Bon, OK. Et là, je veux créer carrément une application CIS Pro dans le dossier Job. Je prends carrément, bon, je prends date entrée ou copy entrée, ça ne fait rien. Cette fois-là, je suis dans un job. J'écris boulot comme travail. J'enregistre. Je veux créer un dictionnaire dans cette histoire même, dans job. Le dictionnaire, ça s'appelle aussi boulot. Voilà. J'enregistre le boulot et puis je fais OK. Je crée le boulot. Voilà, l'application est là. Je commence par modifier l'identifiant. Bon, je peux laisser boulot ID, mais je prends des zones. OK. Et ici, c'est l'école, j'ajoute juste une question. J'allais dire un questionnement. J'ajoute une question. Bon, ou bien un item, tout simplement. Et l'item en question, c'est votre profession. Votre profession. Profession. Votre profession. Voilà. Et puis j'écris là votre profession VP. Et là je mets 80. Bon, je mets carrément 60 caractères qui sont du alphanumérique. Voilà. Et puis c'est tout. Je crée carrément le formulaire. Je mets le boulot. Et puis, je mets la zone de test. C'est très simple de créer une application maintenant avec vous. Là, j'ajoute les noms. Voilà. J'ajoute les noms de l'application. Le nom du fichier qui va lire les données, qui va conserver les données. Le nom du fichier qui va conserver les données. Le nom boulot aussi. Voilà. Et puis, j'ouvre. Il n'existe pas, on le crée. Ça, vous avez déjà fait. J'ai fini. Je peux saisir quelque chose. J'ai fini. Je mets 01. Chauffeur. Voilà. Ah, il y a quelque chose que je vais vous montrer à ce niveau. Il y a quelque chose que je vais vous montrer à ce niveau. Je veux que lorsque la personne saisit, que ce soit tout simplement en majuscule. Tu cliques là et puis tu parles. Uppercase. Voilà. Et si tu veux que ce soit les multilignes, c'est là-bas. Là-bas. Voilà. Et puis là, tu peux faire ça. Voilà, et là, on aura la possibilité de saisir en plusieurs lignes. Voilà, je vous montre carrément. J'ajoute 2. J'écris, je suis militaire. Voilà, même si votre clavier est en minuscule, lui va prendre rien que les majuscules. Et là, j'enregistre. Je peux ajouter 3 policiers. Voilà. Voilà. Donc là, on est quitte à ce niveau-là. Nous avons terminé la première application. Nous voici, nous allons créer la seconde. OK.
La formation est déjà disponible sur la plateforme, sur notre plateforme de formation, et vous trouverez les liens de la formation dans la description. N'hésitez pas à me suivre là-bas, et c'est là où nous allons discuter ensemble, même avec WhatsApp.